Le centre de la Turquie, c'est surtout des plaines immenses. Les villes se trouvent à des kilomètres les unes des autres. On passe tellement de temps à pédaler dans la campagne qu'on pourrait facilement bivouaquer tous les soirs. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup campé à cause du froid. Et puis, sincèrement, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, il y a toujours une personne qui nous invite. C'est difficile de résister à un sourire. Pourtant, ce soir, on fait une exception. Un berger est venu nous voir pour nous proposer de dormir chez lui, mais on a refusé. On veut du calme. Ça nous avait manqué de dormir dans la nature, et il faut savoir se retrouver tous les deux parfois. Alors, pour vous tenir un peu au courant, voilà, c'est papy et mamie. Alors, du coup, ça fait déjà quasiment 2 semaines qu'on est sur la route, qu'on est parti d'Izmir, qu'on pédale. On est quand même chanceux parce qu'on est passé par plusieurs types de températures. On a eu de la neige, on a eu de la pluie, du vent, et puis bah là, maintenant, on a du soleil. Donc on va pas du tout se plaindre parce qu'en vrai il fait super beau. Et donc là actuellement on est sur le lac Tuzgulu. Je suis pas sûre qu'on le dit bien, mais bon voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a comme particularité ce lac? Alors c'est un lac, sur toutes les photos on a vu qu'il était rouge. Et en arrivée il est parfaitement bleu. Bon bah pas de chance hein, mais c'est quand même joli. Et on est content de le traverser aussi à vélo. Donc voilà, bah allez c'est parti hein. Dans le voyage à vélo, il y a des moments que tu apprécies tout particulièrement. Et là, c'est un de ces moments. On n'a clairement pas fait plus de 20 km aujourd'hui, mais franchement, qu'est-ce que ça valait le coup? On a décidé de faire une petite pause pour manger parce qu'on a trouvé genre une station service où on a pu acheter 2-3 trucs à manger, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait sur la route. Et du coup là on s'est posé à côté d'une fontaine. Ça c'est un truc qui est assez surprenant au début. Des fois au milieu de nulle part tu vois une fontaine, et au tout début on se posait un peu la question de pourquoi il y a des fontaines comme ça. Et en gros notre amie Irem, donc notre amie qui a Izmir, elle nous a expliqué qu'en gros quand une personne meurt, les personnes de son entourage peuvent du coup construire une fontaine. Et c'est un cadeau à la disposition de tout le monde. Quand tu viens récupérer de l'eau, tu dois prier pour cette personne. Tu veux savoir ce qu'on mange? Ouais. Bah alors... un festin, j'imagine. Un festin, ça va être du pain et du miel parce qu'on n'a plus grand-chose d'autre. Miam! Et des chips, tu vois. Genre on est au fin fond de la Turquie, dans un milieu hyper naturel. Et la seule chose qu'on a trouvé, c'est des chips et du pain. Allez, super le repas. C'est terrible. On a un abreuvoir, Landa... Mais en plus ce truc, je crois que c'est pour les animaux, parce qu'on a vu... C'est pas du tout ce que t'as expliqué, il y a même pas le nom de la personne, donc... Non mais c'est pas du tout ça en fait, mais bon, c'était pour illustrer un peu mon histoire, quoi. Ah ouais, bien illustré. Non, du coup, on en a vu plein des fontaines comme ça sur la route, et ça c'était pour les animaux tout simplement. Bon ben petit rebondissement, on était en direction d'une ville qui s'appelle Kula et on passait vraiment par des petits chemins. Et en fait il y a la gendarmerie qui est passée par là et qui s'est dit ah non mais vous pouvez pas passer par là, on n'a pas compris pourquoi. Et donc on n'a pas trop eu le choix, on a dû monter les vélos dans le pick-up. Et il nous a déposé 20 km plus loin, mais en arrière de ce qu'on avait fait. Donc on sait pas trop là si
combien de jours on va avoir voilà. En plus. On a l'impression qu'on a gagné 2 jours de vélo. Bon, du coup, comme les policiers nous ont fait perdre un jour, on a décidé qu'on allait regagner en vélo stop. Et du coup, on fait du stop. Et nos vélos sont là. Et on est là. Bon, ben là, il y a un chauffeur qui s'est arrêté. Il nous a vu passer en vélo, il nous a dit vous voulez que je vous prenne un stop. Et on est tellement cuit là au bout de 2 semaines de vélo, on a dit oui. On a dit oui, on avait 700 mètres de dénivelé, aujourd'hui on a fait ok, on les fait en canon. Nous voilà bien avancés. On est à Neuf-Séhir et en face il y a les maisons troglodytes, je ne sais pas si vous les voyez d'ici. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 jours là qu'on est arrivé en Cappadoce. Qu'on chill, qu'on se relaxe, c'est trop bien. Et du coup, ben là aujourd'hui, on a décidé de faire une petite visite de la Cappadoce en vélo, sans les sacs. Ça va être génial. Ça faisait un moment qu'on rêvait de rejoindre la Cappadoce. C'est certainement l'un des endroits les plus magiques de la Turquie. Ses cheminées de fées, ses canyons, ses gorges, ses pitons, ça donne vraiment une atmosphère féerique. Le plus impressionnant, c'est que ce paysage est un mélange de la nature géologique de la région et de l'influence humaine. C'était un temps où l'homme devait s'adapter au terrain et non l'inverse. J'espère qu'on m'entendra parce que du coup il y a quand même pas mal de vent et de soleil aussi. On est vraiment émerveillés par tout cet environnement et c'est vraiment super beau. Et du coup on s'est un peu renseigné sur comment toutes ces roches, tout ce paysage il s'est formé. Et en gros tu sais avant il y avait 3 volcans ici qui ont laissé en fait une roche volcanique. Cette roche, avec le temps, avec le vent, l'eau, etc., l'infiltration de l'eau, ça a forcément transformé la roche et ça a donné des formes un peu bizarres, un peu particulières, qu'on appelle maintenant les cheminées de fées.
il y a des milliers d'années, donc avant Jésus-Christ, tu as un peuple qui s'appelait les Hittites, qui sont arrivés en Anatolie et dans cette région particulièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette région elle était très convoitée. Il y avait la route de la soie qui passait par la Turquie, entre autres. Il y avait d'autres routes commerciales. Et donc, tu avais différents peuples qui essayaient de s'emparer de cette zone parce qu'elle était hyper stratégique. Les Hittites qui se trouvaient ici pour se protéger, ils avaient décidé de créer directement leur habitation dans les roches. Ils avaient également créé des réseaux souterrains pour pouvoir se protéger des ennemis. Franchement, c'est incroyable de se dire qu'il y a des milliers d'années, les gens ils habitaient dans ces roches. Et c'est quand même fou, quoi. On est impressionné par le paysage, c'est magnifique. Allez, viens, dans une minute, j'ouvre le paquet de chips. Quoi? C'est une menace et je la mettrai en exécution. D'accord. Bon, les chiens, faut qu'on en parle. Hein. Alors, du coup, là, juste avant, on a été confronté à des chiens. Si toi, tu fais aussi du vélo, t'as dû le remarquer. Les chiens, ils aiment pas trop le vélo. Hein. Et en fait, ils deviennent complètement, mais fous malades. Ils deviennent rageux, sans qu'ils ont envie de t'attaquer et tout. Il y a les crocs, etc. Enfin, ça fait vraiment très très peur. Donc, en général, on descend du vélo et dès qu'on s'arrête, alors en général, les chiens ils s'arrêtent de courir. Mais il y en a d'autres qui sont un peu agressifs. Et des fois, quand ils partent pas, il y a des gens qui viennent nous aider. Donc ça, c'est quand même gentil. Il y a même une voiture là, toute fois, qui s'est arrêtée et qui nous a suivi le temps qu'on passe en fait le territoire du chien. Et du coup, ça allait. Comme par hasard, on parlait des chiens et là, il y en a qui arrivent. Donc, on les voit là au loin. Ils sont venus nulle part. Ah ben, il y a le troupeau là-bas. Ah, d'accord, ouais. Et donc là, t'as les chiens de troupeau, t'as les chiens de berger qui arrivent et qui gueulent en mode « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu veux manger un mouton? Moi, je suis pas d'accord. » Mais pour l'instant, ça va. Ah. Mais voilà, il y a le berger qui les appelle. Ah, voilà. Attends, il y a un bruit spécial en fait pour les appeler. Ouais. De toute façon, t'as pas envie de les appeler. Non. Ça, ça va être un vrai plaisir, ça. Marine, est-ce que tu peux nous dire quelle est la météo des prochains jours? Alors, au niveau de la météo, aujourd'hui nous avons un beau ciel bleu. Demain, des précipitations sont à prévoir, des précipitations de neige. Voilà. Et la température? Eh bien, écoute, on s'entraîne pour l'Ukraine. Il va faire, je crois, moins 7. Moins 7, ouais. Et la nuit? Et la nuit, moins 17. Voilà. Sympathique, hein? Donc je pense qu'on va se prendre un hôtel là, parce que... On va être sûr d'avoir un plan. On aime bien camper, mais voilà. Bon alors aujourd'hui, pas de vélo finalement. Parce que c'est la tempête de neige, on est vraiment en plein blizzard. Il doit faire moins 6, moins 7 degrés, mais il y a des grosses rafales de vent à 30 km/h. Et il neige, les routes sont pas dessalées, ça glisse énormément. Et du coup, on s'est dit qu'on allait rester 2 jours à l'hôtel parce que c'est 2 jours comme ça. Voilà, hop. C'est bien la Turquie, hein. Ouais, c'est super marrant. Il y a 2 jours de ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas de neige, il faisait chaud. Et regarde-moi ça, on dirait qu'on est, je ne sais pas où on est, mais on n'est pas en Turquie là. Comme d'habitude, la météo est imprévisible.
Comme d'habitude, la Turquie nous réserve des surprises. En s'arrêtant dans la petite ville d'Achibektas, on ne se doutait pas du tout de ce que ce nom représentait. Eda, la patronne de l'hôtel, est venue nous offrir un café. Après avoir sympathisé, nous avons décidé de rester 2 jours de plus. C'est une femme incroyable et pleine d'énergie. Malgré la tempête de neige, Eda nous a emmené visiter tout ce qui était possible de visiter, en particulier la tombe d'Achibektas. C'était important pour elle, car elle et Hashim, son mari, suivent les préceptes du bektachisme. On va pas te mentir, au début, on savait pas de quoi elle parlait. Donc en gros, les enseignements d'Achibektas, quand tu la compares avec la déclaration des droits de l'homme de 1948, tu trouves à peu près le même fond. Et ça c'est impressionnant parce que il a 7 siècles d'avance quoi. Là, Ada elle nous amène dans le bâtiment où il faisait une sorte de soupe populaire pour les gens qui étaient affamés et qui voulaient manger, qui pouvaient venir demander à manger. En fait, c'est un ordre religieux ésotérique qui fait partie de la branche soufiste de l'islam. Et ça concerne pas mal de personnes. En Turquie, c'est quand même la 2e croyance derrière le sunnisme. Contrairement aux 3 religions monothéistes, le bektachisme ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes qui animent ensemble les rituels religieux. Autre singularité, dans le bektachisme, pas de mosquée, car la prière s'exprime à travers des poèmes chantés. Il fait trop froid, donc du coup on rentre à l'hôtel. J'ai froid. C'est intéressant, mais j'ai froid. Je suis content d'être rentré. Coucou toi. Oh, je revis, je reprends vie. C'est chaud. Hoş geldiniz. Ben Eda, eşim Tacım. Hacı Bektaşlıyız. 7 yıldır burada yaşıyoruz. Hacı Bektaş'ı çok seviyoruz. Family. Family. Ne güzel, ne mutlu. Çok mutluyum. Very happy. Yes. En fait, Zavdop est tombée tout à l'heure sur des plaques de neige comme ça, donc elle n'est pas très en confiance. Donc dès qu'on croise des plaques de neige un peu trop grandes, elle descend du vélo parce qu'elle a trop peur de rouler. Et elle a raison, hein, parce qu'elle est tombée et elle aurait pu se faire mal. Et donc on va pas très vite, il fait moins 9 degrés, c'est la température la plus basse qu'on ait eue.
Et on arrive un petit peu à la limite de notre équipement, c'est-à-dire qu'on a deux paires de gants et on a les doigts congelés. On est vraiment congelés au point que dès qu'on les réchauffe un petit peu, ça nous brûle le bout des doigts. Et voilà, donc on sait que moins 9 degrés, c'est la limite inférieure, quoi. Donc aujourd'hui il fait un peu plus chaud, on est autour des moins 1, moins 2 degrés et avec le soleil qui nous réchauffe et les montées, mais finalement il fait plutôt bon. Ça va Zap? Oui, ça va. Là, on est à Ankara, parce qu'on a changé de plan pour la millième fois. On voulait aller jusqu'à la mer Noire, on avait pensé à partir en Ukraine. Et après la vague de froid qu'on a pris, là, les nuits à moins 17 degrés et les journées à moins 10 degrés, ça nous a un peu calmé, parce que mine de rien, on est encore en février, il fait encore froid, donc remonter de plusieurs milliers de kilomètres vers le nord, ben, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée, parce que notre équipement n'est pas suffisant. Et du coup, on a décidé de prendre un bus et de retourner en Bulgarie parce que notre visa se termine dans 5 jours et on n'a pas le temps de pédaler jusqu'à la Bulgarie et que, de toute façon, il faut faire un PCR pour entrer en Bulgarie de moins de 72 heures. Du coup, voilà, on est à Ankara, on prend un bus, on retourne en Bulgarie et après, là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Donc, c'est une sorte de pâte... Faite avec du boulgour et plein d'épices. Du citron, du piment aussi. Et après, on enroule. Et ça nous fait un durum. C'est ça. Et c'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Bon, et voilà, c'est bon.